Nous sommes l'agence. Bon, Bugnon, oui. Il y a quand même un truc que je n'ai pas bien compris. Ce problème informatique mondial qui a aussi touché la Suisse cette semaine, vous y comprenez quelque chose, vous ? Oui, oui, j'y comprends tout. En fait, c'est bien. Tout simple, parce que la faille Heartbleed du logiciel OpenSSL a fait craindre le pire à plein de sites cette semaine. Hein. Par exemple, Bluewin.ch ou la BCG ont été touchés. Oui, d'accord, mais enfin, moi, je risque quoi, par exemple ? Vous, sans ordinateur avec vos économies cachées sous votre matelas, ne me demandez pas comment je le sais, vous ne risquez rien. Hein. Par contre, les gens vivant dans le temps présent ont les chocottes, hein, parce que cette faille permettrait à des personnes malveillantes de récupérer une partie de la mémoire de votre ordinateur, justement où se trouvent stockés les mots de passe, les identifiants et les cookies. Non, ce n'est pas des gâteaux, cher. Oui, j'ai eu peur aussi, donc je me suis rendu au plus vite chez deux geeks de mes voisins, et évidemment, j'ai tout enregistré avec un micro dissimulé, dans un micro, parce que de toute façon, ils s'en foutent. Toc, 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 il y a quelqu'un ? Hé, hey, t'as pas vu mon clavier ? Il est sur ta figure ! Lol, trop lol. Non, sérieux, arrête, et je le trouve pas, là. Mais t'as regardé sous la pizza ? 404. Hé, hey, les gars. Et puis sous celle de hier ? 404 aussi ! Introuvable ! Bah, regarde sous celle qui sert de support au cendrier sous le pied de table. Oh, 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 oh. Oh, oui, trop con ! J'avais mis le clavier dans la boîte à pizza. Bon, allez, au boulot. Vite, je tape mon mot de passe et je me connecte. Et oh, oh. Eh, faudrait que tu penses à le changer, ton mot de passe, il est un peu trop court. Hein. Eh oh, les gars. Oh non, je me suis nouveau fait larguer par SMS. Heureusement, ça faisait que 8 mois qu'on était ensemble, donc j'avais pas encore eu le temps de la rencontrer. Eh, essaye de redémarrer en mode sans échec. Eh, MDR. T'es nul, j'y avais déjà pensé. Hein. J'ai même essayé de lui faire un pomme Z, mais ça marche pas. Eh oh, les gars. Et y a pas quelqu'un qui nous appelle, là ? Non, moi j'ai déconnecté Messenger. Mais non, c'est moi. Oh oh. Non mais c'est incroyable, là, ça vient d'où ? J'ai tout déconnecté. Mais c'est moi ici, dans la vraie vie. La vraie vie, c'est quoi ? C'est une troisième version de Second Life ? Mais non, je suis ici, là. Putain, tu nous as fait peur, t'aurais pu prévenir, t'es rentré comment ? À tous les coups, c'est une brèche dans notre firewall de sécurité domestique, hein, j'en suis sûr. Non, je suis entré par la porte, c'était ouvert. C'est ce que je disais. Les gars, je voulais vous demander un truc dans l'actu cette semaine. Ah ouais, j'ai vu l'actu, ouais. Il y a la NASA qui a repéré un truc lumineux dans le ciel. Ouais, ouais, trop ouf. Moi, j'ai vu aussi hier, quand je suis sorti chercher les McDo, comme un espèce d'immense truc lumineux au milieu du ciel. C'était le soleil, ça, à mon avis. Le quoi ? Bon, on s'en fout, mais la faille Heartbleed dans OpenSSL. Voilà, enfin tu parles correctement. Alors moi j'ai pris comme résolution pour 2014 de plus répondre aux demandes des gens qui m'adressent la parole que quand ils ont un problème informatique. Et toc, comme ça, plus personne ne m'adresse la parole. Et toi, t'as pris quoi comme résolution cette année ? Et 1920 par 1280. Bon, allez les gars, pour rassurer les auditeurs de l'agence, ils doivent faire quoi ? Bah rien. Les hackers, ils s'attaquent à des gens qui ont du pognon. Et si t'as du pognon, t'as autre chose à faire de ton dimanche matin que d'écouter la radio. Ouais, tu peux recompiler le kernel de ton OS, par exemple. Oui, mais bon, ils ont quand même peur, alors qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux ? Bah nous rien, on s'en tape, nous. On a une LAN qui commence dans 2 minutes. Mais tiens, et prends ce mode d'emploi et tu leur expliques. Nous, on fait comme ça pour gagner notre vie. Bon, bah merci. Bon, allez, log out. Log out. Bon, alors c'est quoi ce mode d'emploi, Bugnon ? Oui, alors c'est très simple, je viens de le parcourir. Donc si vous avez peur d'avoir été hacké, je peux vérifier et réparer. Alors pour ça, c'est très simple, il suffit de m'envoyer un mail à mon adresse privée, donc christophe.bugnon@gmail.com, avec votre numéro de compte bancaire et votre mot de passe, je vérifierai gratuitement. Ah, c'est sympa. Et si les auditeurs n'ont pas de mail ? Bon, mais s'ils n'ont pas de mail, écoutez, je prendrai un peu de temps pendant mes vacances de Pâques pour eux. Ils peuvent simplement m'envoyer un courrier hein, à Jean Bugnon, l'agence avenue du Temple 40 000 Lausanne, avec leur carte bancaire et leur code PIN. Hein. Ne me dites pas merci, c'est ma mission. Nous sommes l'agence.